Aujourd'hui, on vous parle de notre entraînement en vue de la récupération de l'équipage dans l'océan. On est au laboratoire de flottabilité nulle. Une maquette de la capsule Orion se trouve derrière nous dans la piscine. Aujourd'hui, on simule notre récupération dans le Pacifique. Jenny est l'une des astronautes de relève de la mission Artemis 2. Elle a fait cet entraînement hier soir. Là, c'est notre tour. C'est l'occasion de nous familiariser avec ce qui se passera à notre retour sur Terre quand Orion amerrira dans le Pacifique. On attendra dans la capsule, attachée à nos sièges, jusqu'à ce que les forces navales des États-Unis et les secours viennent nous récupérer pour nous faire sortir de la capsule. L'équipage s'exerce aujourd'hui à attendre dans la capsule. Les équipes de secours, elles, s'exercent à faire sortir l'équipage de la capsule en toute sécurité. On voit ici l'équipe de secours, les Marines et des bateaux qui s'approchent de la capsule. Derrière moi, l'équipage est sorti de la capsule. Il simule ensuite l'hélitreuillage. On a la chance d'avoir ces installations remarquables pour faire ce genre de simulation et s'exercer. Tout ça nous prépare à la prochaine simulation à San Diego. On fera la même chose, mais dans l'océan, avec les forces navales des États-Unis et de vrais hélicoptères et tout et tout. C'est un pas de plus vers la mission Artemis 2 pour l'exploration de la Lune.